Ok, et donc là ma carcasse est là droit devant normalement. Il y a des coyotes ici. Ça ne me plaît pas du tout non plus, mais bon. Je peux peut-être pousser au nord vite fait. Je suis pas très loin en vrai. Pour remarquer le territoire du haut et éviter de perdre trop de territoire. Oula. C'est quoi ça? Oh purée, j'ai vraiment pas de chance moi. T'as mes médrottes. Il y a un ours avec ses bébés. Je t'ai dézingué tes petits. Il faut que je les harcèle. Mais en même temps, un ours ça peut me tuer, hein. C'est très puissant. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un... Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis mis à la première personne sans faire exprès. C'est très très fort un ours, hein. Non, c'est pas toi que je veux. Voilà, je veux tourner autour des bébés. Alors désolé, on va tous avoir la tête qui tourne, mais je sais pas ce que je fais. A chaque fois, il me remet en première personne. C'est pas évident. Mais laissez, c'est ma carcasse. Allez. Il y en a pour un moment, hein, parce qu'à faire peur à un ours... À part si j'arrive vraiment à mocher très gravement un de ses bébés. Même les bébés grizzly sont forts. Oh, oh là là, le truc que je me prends des tatanes. Allez, cassez-vous. J'attaque les bébés, hein. C'est beaucoup plus simple pour moi. C'est pas évident à gérer les combats. Allez, casse-toi. Mais en fait, mon loup se met à courir en automatique. C'est bon. Cassez-vous, c'est chez moi, c'est ma nourriture là. Je vais grogner, ça sera peut-être. Ah ouais, non, mais Médrotte, c'est un poissard, un truc de fou. Hein. Il lui arrive toujours des merdes à Médrotte. J'essaie de grogner en même temps pour essayer de leur faire peur. Allez, viens avec moi. Ah là là. J'ai de la chance, c'est que la mère est pas très vive. Hein. Elle est où la mère là? Elle est là. Il s'enfuit. Oh, j'ai réussi à faire fuir des grizzlies, j'y crois pas. Oui, oui. Vas-y, casse-toi avec tes sales moumes là. Sale bête. Oh. Voilà. Ah, fallait que je grogne quand même. C'est à moi et c'est pour mes bébés. On a déjà assez de problèmes comme ça. Hein. Tu vas pas en plus bouffer ma nourriture. Je suis pas d'accord. Pourquoi j'arrive plus à manger? Oh, d'accord, c'est parce que j'ai chopé un truc dans la gueule. Oh non, j'ai un bébé qui est malade. Mais c'est... Mais ce jeu, il me déteste, en fait. J'en peux plus. J'ai tous les malheurs du monde, quoi. J'ai pas eu un bébé malade depuis qu'on joue, donc ça fait quand même un moment qu'on fait du Wolf Quest. Je dois avoir 50 épisodes sur YouTube. Et maintenant, j'ai un bébé malade, donc ça veut dire qu'il faut que je reste avec lui à la tanière. Donc, allez sauver les... Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est la catastrophe. Et pour sauver, c'est Skull qui est malade et ça m'étonne même pas parce que Skull est vraiment... C'est un petit bout, Skull, hein. Bon, je suis en train de boire un tronc d'arbre, on n'a rien vu. Skull, il a jamais été très solide, hein, niveau santé. Toujours le l'avorton du groupe. Je vais rester un petit peu avec Skull. Mais il faut que j'aille vraiment sauvegarder mes territoires autour de la tanière pour éviter la multiplication des attaques. Si mon territoire est trop faible. Vous sentez que j'en ai eu 3 jusque-là, que là, je suis poissard jusqu'au bout. On va se taper je sais pas quoi encore comme attaque, je le sens venir. J'ai intérêt à être au taquet, hein. Allez, venez manger. Skull, il est malade, en plus, c'est lui le petit malade, le pauvre. Allez, mangez les gars, mangez. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Hop là. Ouais, faut vraiment que je reste... Et puis, surveiller 3 bébés en étant tout seul, c'est obligé, il y en a au moins un qui meurt. Au moins un. C'est dommage qu'on puisse pas leur ordonner individuellement d'aller dans la tanière ou quoi. Je suis obligé de... Je donne un ordre à un, je le donne à tous, hein. Ben Skull, pour un petit malade, il est pas très... Ça va, hein. T'es pas malade pour jouer avec un os, par contre, hein. Ça, c'est le truc qu'adorent dire les parents, hein. Quand vous êtes malade. Ah, t'es malade pour aller à l'école, hein, mais t'es pas malade pour jouer à ta PlayStation, hein. C'est du vécu, c'est du vécu. Bon, en même temps, c'est vrai que peut-être que des fois,
On a peut-être tendance, enfant, à exagérer certaines choses. Ça va mieux au fait, ton grand malade? Ça me fait penser à Rosa. Hein. Ton grand malade en train de mourir? Rosa avait son fils qui avait une petite maladie et qui apparemment devenait un tragédien grec. Skoll, tu es malade, arrête de courir partout. Ah, je suis désolé, les enfants, je vais devoir vous laisser juste le temps d'aller marquer le territoire autour, sinon on est tous morts. Je suis vraiment désolé, mais j'essaye de les surveiller. Oh, attendez, il y a une belle-mère, il y a une belle-mère, il y a une belle-mère. Attendez, les gosses. Attendez, les gosses. Rentrez dans la maison. Il faut vraiment que je revienne après pour le petit Skoll, mais j'ai une belle-mère là-bas qui a crié. Merde, elle est où? Allez, Skoll, rentre. Rentre dans la maison. Il faut que j'arrive à descendre là. Je crois qu'elle était pas vers... Ouais, elle était pas vers le sud, mais moi, faut vite que j'aille vers le sud. Oh, si, elle est vers le sud! Est-ce que la chance tomberait enfin? Oui, ça va mieux, mais je te jure, on avait l'impression qu'il était en phase terminale de la rhino. Oui, c'est vrai, mais la console, c'est un remède. Ouais, c'est vrai, quand je suis d'accord. Hein. L'enfant en moi t'approuve, Triskel. Hein. Viens, madame, viens, je dois te présenter des petits traits mignons. Tu vas voir, ils sont incroyables. Ah, mais je dois en même temps faire le territoire, je suis perdu. Je dois marquer mon territoire, gérer le fait de retrouver un partenaire. Il n'y a pas Tinder pour les loups, là. Ils connaissent pas Tinder chez les loups-garous? Ça serait intéressant, non? Ce serait plus simple, déjà, hein. Parce que si on devait aller dans la rue, j'imagine, en vrai... Ah oui! Commencer à hurler pour trouver un partenaire, vous me direz, on n'a jamais tenté, hein. Pour le fameux ingé son, il n'y a pas de réseau dans les bois. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. J'allais dire, pour mon fameux ingé son, Rosa, peut-être que je dois sortir dans la rue et me mettre à hurler, hein. Peut-être que ça marcherait. Il y a peut-être une façon de hurler. Ah, y en a une, elle est vraiment pas loin, quoi, mais j'ai pas son odeur. Bon, faut que j'aille vers l'ouest, là. On va continuer. Non, vers l'est. C'est pas là où il y a les petits. Oh, de toute façon, faut que je remonte. Bon, écoutez, on va repartir à la tanière parce que je suis fatigué. Enfin, mes droites sont fatiguées. On a le petit qui est malade. Donc, je suis obligé de retourner avec lui. Dans tous les cas. Et je sais pas s'ils ont assez mangé. Ouais, ils ont pas beaucoup mangé. En plus, on va leur redonner à manger. Je pense que si le petit malade a le coco plein, ça devrait l'aider. Hein. Puis, on va dormir. Mais si je dors trop, je crois que ça, la maladie ne guérit pas. Ça peut même l'aggraver. Parce que le petit va dormir avec moi. Il faut passer beaucoup de temps au terrier sans le... Oh. Toi, tu m'intéresses, toi. Ouais, tu m'intéresses, mais non. Tu t'es trop en forme. Tant pis. Attendez, si elle est là, y a pas un bébé autour, là? S'il y a une maman isolée, potentiellement, il y a un bébé fan. Mais j'entends pas la musique qui dit qu'il y a un bébé. Si. Il y a la musique. Il y a un bébé fan à trouver là. Ça serait une proie très facile. Ça serait vraiment facile, mais encore faut-il le trouver. Où est-ce qu'elle l'a caché? On n'entend pas très fort la musique, hein. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Faut que je retourne vers la mer. Où est-ce qu'elle est, cette maman là? Ah! Là, on a la musique du petit fan. Donc ici, quelque part, dans les grandes herbes comme ça, on a un fan qu'on peut choper. Et si la maman s'agite, c'est que je suis proche, mais elle l'a bien caché, j'ai l'impression. Hein. On va aller voir par là-bas. Ah, mais j'ai quasiment plus de... Bon. Je vois que j'ai quasiment plus de stam, enfin de sommeil, de stam. J'ai mon petit qui est malade et j'aurais du mal de toute façon sans stam à ramener le petit fan, je pense. Je cherche, hein, mais... Elle l'a bien caché, hein. Je ne le vois pas. Parce que, est-ce qu'ici? Non plus. Là-bas, j'ai toujours la musique. Si là, j'ai toujours la musique, non, j'ai plus la musique, donc je suis trop loin. Il doit être quelque part là-dedans. Toujours pas là. Il est là! Non, il n'est pas là. Non, c'est juste là. D'accord, non, c'est la mer. Oh, je suis deg. Elle s'agite, hein, donc il est peut-être plus près d'elle que ce que je pense. Peut-être qu'il est par là? Non? Ok, elle s'agite, donc attends, tu t'agites. Tu t'agites, donc est-ce que ton petit serait dans ces trucs-là? Non, là j'ai... Oh, il est là! Trop tard, madame, j'ai eu ton bébé. Il est à moi! J'ai même guéri de ma fracture.
Oui, j'en ai tué un, merci, merci, on est au courant. On va le rapporter au bébé parce que je pense que les bébés peuvent le manger maintenant. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'ils peuvent. Ils vont manger ou pas? Je sais pas s'ils peuvent déjà manger. Bon, je vais pas leur donner tout de suite. Hein. On va dormir d'abord. Oh, j'ai une belle-mère qui hurle. Bon, écoutez, on fait dodo. On va pas accueillir une femme alors qu'on est épuisé. Hein. Ça se fait pas. On fait dodo et après on verra. Par contre, ce qui m'inquiète. Ah non, c'est bon. Saphira revient. J'ai peur qu'on ait une attaque. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'attaque. Il va falloir que Papa Medrotte soit au taquet. Hein. Allez, Medrotte, on compte sur toi. Oh, ils sont tellement mignons. Je veux pas qu'ils meurent. Je veux pas qu'ils meurent. Ok. Tout va bien là, les gars? Ils ont faim. Ils ont faim, ok. Allez, tenez. Ah, mais ils peuvent manger ça aussi. Oh, bah c'est bon, ok. Ah, d'accord. Ça, c'est la viande de papa. Hein. Vous pouvez encore manger les trucs régurgités, hein, pas moi. Hein. Non, mais. Les vilains gamins. Et Skol est toujours malade, hein, parce que je suis pas resté assez avec lui. Toujours malade, il perd de la vie. Il faut que je reste avec lui, absolument, là. Mais normalement, le fait de l'avoir fait manger, s'il est. Il est pas full, mais au pire, je vais pouvoir lui redonner. Hein. Je vais lui redonner. Voilà, comme ça. Voilà. S'il a l'estomac plein, je pense que ça va l'aider à guérir. Saphira qui se casse, comme toujours. Saphira, où est-ce que tu vas? Faut que je reste avec eux là. Pour que Skol guérisse, il faut rester au terrier. Donc il faut que je les surveille. Il est en train de se reposer, je vais rester avec lui. La petite Saphira, elle est trop mignonne, la petite Saphira. Attendez, je regarde Ruby. J'essaie d'interagir avec lui. C'est bon, Ruby reste là. Ça va, il s'éloigne pas trop, hein. C'est pas comme mon. Si vous... Ceux qui étaient là, si vous vous rappelez, le premier. Oh, le pauvre. La première portée de Medrotte, il y en avait une, Celia. Elle passait sa vie à explorer. Je l'ai perdue, je sais pas combien de fois. Allez, faut qu'on reste avec les petits. On les surveille. Je regarde qu'ils s'en aillent pas. Allez, venez, les gamins, là. Ce qui est dommage, c'est que... Oh là là, mon territoire. Oh, bah ouais, j'ai pas eu le temps. C'est un peu la cata. Hein. Mais j'ai un petit malade. Oh là là, toutes ces belles-mères. Mais si je m'en vais chasser la... chasser la belle-mère. C'est une façon de le dire qui est peut-être pas ouf, mais vous avez compris. Si je m'en vais chercher une dame, n'est-ce pas? Une autre femme, et pas chasser la belle-mère. ça risque de mettre en danger mon petit Skol, en fait. Il faut vraiment que je reste avec lui. Eh, les gamins, là, vous revenez. Je vais faire une alerte. Allez, venez là, les petits, là. Elles s'en fichent, les filles, elles vivent leur vie, hein. Leur père, elles s'en foutent, hein. Leur père et leur frère malade, rien à battre, hein. Ça va, petit? Qu'est-ce qu'elles font, les filles? Attends. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez revenir là-bas. Chasser la belle-mère. Ah, le pire, c'est que c'est sorti tout seul. C'est complètement spontané. Des fois, il faudrait que je réfléchisse avant de parler. Hein, mais écoute, on est spontané ou on l'est pas. Hein. Je suis spontané et voilà. Des fois, ça te... Vite! Oh là là, je sens pas. Ah oh bah oui, bah évidemment. Et je suis tout seul, là. Hein. Il y a deux coyotes, je suis tout seul, là. Hein. Non. Ah là là. Allez. Ah, laisse Ruby, il y a Ruby qui est pas rentrée. Mais ça va, ils sont concentrés sur moi, les coyotes. J'ai plus beaucoup de stam, mais peut-être que si je grogne. Non, 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 venez là. Donc je les empêche de s'avancer vers. J'ai plus de stam en fait, donc j'arrive plus à me défendre. Allez, va-t'en. Est-ce que j'ai réussi ou pas à le virer? Je crois pas. Hein. J'ai un gamin dehors. Putain, Saphira. Pourquoi elle est sortie? Je comprends pas. Pourquoi elle est sortie, Saphira, alors que j'avais. Bah, elle avait pas besoin de sortir. J'étais. Oula, toi, t'es un peu trop proche de ma tanière encore. T'es où? T'es là, ok. Grrr, allez-vous-en. Le chocolat. J'ai pas grogné, je crois, cette fois. Qu'est-ce que tu fais dehors, toi? Personne t'a demandé de sortir.
Elle leur donne quand même à manger. Alors que j'avais l'affinité qui était bien montée, quoi. Je comprends pas. Il est toujours malade, le ptio? Oh, il est toujours malade. Il perd vite sa vie, quand même. Hein. J'espère qu'il va pas mourir de maladie. Au pire, ça me débloquera un succès. Faut voir le bon côté des choses, mais bon...